Donc là, non, là, on est en train de créer notre vaisseau épisode 7, donc ça va pas, c'est pas là. C'est quoi ça? Épisode 5? C'est pas possible qu'on est arrivé à... Je me souviens pas, on est arrivé vraiment vite en fait à l'étape. Bah ouais, parce que le licornu, c'est bon, Lilo? Épisode 4, on était déjà en tribu. On avait fait en... Ça avait été vite. Ouais, non, là on a déjà notre... Putain, notre créature finale, elle était déjà à l'épisode 3, quoi. Attendez, j'essaie juste de retrouver. Ouais, alors là, c'était les gros délires avec les araignées et tout, là. Hop. Là, on en est où? Ouais, là, on se rapproche déjà du... Ouais, c'est ça. Donc, je vais reprendre un screen. Attendez, je... cette créature là. La créature juste avant que je valide. C'était apparemment celle-là. À 37 minutes et 31 secondes. Ok. Je peux pas avoir une autre. Attendez, j'ai pas fait une rotation de ce personnage. Bon, écoutez. Hop. C'est le. C'est la vision que j'ai. Ah oui, non, sinon, ouais, en. Si, j'ai dû faire le tour de lui, mais à l'épisode d'après. Ouais, donc. Attendez. Donc j'ai cette version-là, je le sais, à 31, à 31 minutes 30, 31 secondes. Alors, attendez. Hop. Donc, un moment où je visualise l'équipement que peut porter mon chef. Je crois que c'est là que... Ouais. Là, c'est là. Alors attendez. Donc à 31 minutes 52 de l'épisode 4. Vraiment, attendez, il faut juste que ça change parce que c'est du HD. J'espère que j'ai pas de drop. Ouais, j'ai des drops. Bon, j'ai des drops. Ah ok, ça me... bon, j'ai des drops, excusez-moi, c'est juste le temps de charger la vidéo en fait. C'est YouTube qui fait du caca, mais enfin, parce que... Parce qu'en plus, les épisodes doivent être sur mon disque dur de sauvegarde en vrai. Là, je sais même plus où il est. Il est où mon disque dur de sauvegarde? Bon, allez, s'il te plaît, charge. Je te demande juste ça. Ok. Juste, je voudrais le voir. Oh, nickel, c'est bon, je l'ai dans sa bonne pose. Je l'ai dans une pose absolument géniale. Il a tourné la tête juste au bon moment quand j'ai appuyé sur pause. Alors, hop. C'est à 32 minutes et 5 secondes dans l'épisode 4. Il a cet aspect. Voilà. Il a cet aspect-là.
Donc on va prendre ça. On va clairement prendre ça. Hop, on va juste. Alors, je vais vous montrer un autre outil. Donc vers nouveau calque. Voilà. Donc, parce que c'est vrai que je me suis un petit peu embêté juste avant. Alors, on va sélectionner. Voilà, notre personnage. En gros, hein, en très gros. Et on va faire calque et rogner selon la sélection. Bing. Et là, j'ai supprimé tout ce qui était en dehors de la sélection pour ce calque. Donc voilà, comme ça permet. Hop, voilà. Et on va même refaire une petite sélection pour aller un peu plus vite. Donc, il me faut ça. Et là, je vais essayer. Jusque-là, calque, rogner. Voilà. Voilà. Licornus Bectus Erectus. C'est. Ouais. C'était la créature que j'avais créée dans Spore. On avait été jusqu'au centre de l'univers. Bon, pardon pour le spoil si vous n'avez pas vu la série, mais on avait été jusque-là. On avait. Et après, j'ai eu un sentiment de. Voilà, que le jeu était terminé, qu'on progressait plus, donc c'est pour ça que j'avais mis fin à la série, arrivé à un moment. C'était aussi une très très grosse série, Spore. Mince, attendez, excusez-moi. Hop. Attendez, je regarde. Combien d'épisodes Spore? Allez, 21 épisodes d'1 heure. Donc 21 heures sur Spore. Eh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je sais pas au total combien d'heures cumulées j'ai sur ma chaîne de jeu, mais ça représente quand même beaucoup de temps passé. Bon, je parle pas trop, je me concentre, mais enfin, je me concentre. C'est pas non plus. Bon, déjà ça. Bing, voilà. Comme ça, on va pouvoir vraiment détourer vraiment le contour. On va commencer par là. Hop, coup de baguette magique. Déjà, voilà. Déjà le bord noir, on le supprime. Ok, ensuite, il faut que j'arrive à sélectionner juste ce qu'il faut. Voilà, visiblement. Ça oui. Ça oui. Ok. Un peu trop, mais ouais, je vais l'enlever. Hop, ici. Bon, ici, je pense que je peux un peu agrandir. Voilà. Donc il y a juste là. Hop, contrôle. Voilà. Déjà ça. Hop, voilà. Cette petite partie-là. Voilà. Attendez, ça, je vais le détourer au cercle parce que c'est pas très très compliqué.
Ok. J'ai du mal à doser la distance à laquelle je dois commencer pour bien détourer la corne. Quoique, ouais, je me fais chier. Hop, c'est du violet. Gimp va bien détecter. Voilà. Voilà, ouais, c'est. Si tu veux. Non, 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 ça non. Pas des tours à la suite. J'ai relâché le mauvais bouton. Ok, ici. Non, ici c'est bon. Bon, attendez, hop, attendez. Ici j'ai encore du rose, je vais le, ouais, je vais le détourer. Alors attendez, ici je vois que j'ai encore. D'ailleurs à ce propos, hop. Comme ça. Alors, je vais prendre vraiment la brosse la plus agressive qui soit. Hop. Le problème, c'est que si je me plante, ça va se voir. Bon, ok. Donc pour le moment c'est bon. Ici, c'est bon aussi. Ici. Bon là je détoure à la gomme. Pas forcément génial de détourer à la gomme, mais bon. Là, il me faut une gomme moins agressif. Hop. Faut savoir varier les outils. C'est le secret. Bah, c'est pas trop mal pour le moment. Hop. Bon, déjà le haut du personnage, il est quand même relativement bien détouré.
Ici, il y a juste une zone qui me... m'ennuie. Hop, ce niveau de l'aile là. Fait, il va falloir que je prenne une gomme vraiment petite. Pas un pixel quand même, mais peut-être 5 pixels. Ouais. Comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Essayer, c'est de détourer un peu l'aile. Mieux que ça avec la gomme plus petite. Ouais, on est bien. On est bien, on est bien. Alors là, j'ai l'impression que c'est vachement flou. Mais c'est pas trop grave. Bon là, le contraste est suffisant. Je vais pouvoir détourer à l'outil magique. Voilà. En fait, je vais peut-être faire comme ça. Ouais. Ouais. Je sais pas trop si la jonction elle est bonne là. Donc attendez. Pas vraiment détourer le bord. Jusque dans le verre, après ça aurait plus posé de problème. Là, je prends mon outil magique, hop. Petite sélection, hop, non, trop loin. Ça, je rajoute. Non, là, ça fait trop. Pour une raison que j'ignore, il me sélectionne les zones transparentes, mais bon. Là, je vais pouvoir détourer un peu ce que je veux. Donc là, le vert, ça a l'air d'être peut-être un peu plus. Encore un peu plus. Ouais, comme ça. Là, j'ai un intermédiaire. Ok. Ah, pas facile là. Bon, faudrait que je sélectionne autrement. Alors, bah déjà ça, je pense que je peux le... Attendez, je vais juste... Ok. Ici, ici. Bon, on peut peut-être un peu continuer ici. Oula, ça fait peut-être un peu beaucoup là. Ouais, là je vais, là faut que je désélectionne un peu. Ok. Donc, il va falloir que je désélectionne juste un petit bout ici. Voilà. Et un morceau de la jambe qui a été sélectionné ici. Voilà. Et déjà, toute cette partie-là, bing, détourée. Détourée, mais il va encore falloir que je passe à coup de gomme par-ci, par-là. Donc... un peu plus grande. Bon, pas facile, hein. On va garder un peu de contour vert, un peu de choses comme ça. Mais déjà, ici, on peut dire que c'est relativement bien détouré. Après, je suis zoomé là énormément, hein, donc les pixels de loin se verront pas forcément.
si je dézoome. Voilà, vous voyez, déjà rien que là. Ouais, c'est net, c'est très correct comme détourage. Clairement là, comme détourage là pour le moment, le côté à gauche de l'image, donc la droite de la créature, enfin, c'est bien détouré. Bon, là, l'aile, j'ai l'impression que ça laisse un peu à désirer. Hein. Mais bon, c'est du détail. Attendez, je remets juste tableau de commande. Voilà. Bon. Alors ici, comment on peut se débrouiller? Bah, nickel. Nickel. Supprime une partie de ce que je veux supprimer, donc ouais, on va quand même hop. Il est génial cet outil. Quand il est bien paramétré, il est génial. J'avais l'impression que c'était bon, plus ou moins. Ouais, bon. Ok. Ok, pour le moment. Bon, pour le moment, non, là c'est un peu trop. Ça me va pas. Alors on va détourer, ouais, on va supprimer ce qui va pas, on va hop comme ça. Et alors, en gros, ce qui va pas, bah, on va ici planter touche, voilà, et toute cette partie-là. Désélectionner, voilà, hop, puis désélectionner aussi ça. On va sélectionner ça. Ok. Bing. Voilà. Donc ça prend du temps de détourer, hein, détourer proprement, mais enfin, pseudo proprement. Mais ça se fait, petit à petit, ça se fait. Le faire à la gomme rapidement, comme ça c'est fait. Voilà, hop, ici pourquoi est-ce qu'il veut pas, j'ai une sélection. Ah, d'accord, ok, oui. attendez. Sais où, Alpha Centauri, hop, caché. Voilà. Parce que j'avais le calque derrière qui m'induisait en erreur. Hop. Ce que je me dis, pourquoi ça efface pas, tout simplement, c'est parce que bah, c'était le calque derrière qui était affiché. Donc, je l'ai juste masqué.
Il est juste masqué, hein, je ne l'ai pas supprimé. Mais voilà, on peut facilement cacher un calque temporairement. Ça permet de travailler dans des conditions, voilà, sans être parasité par les autres calques. L'outil magique, non. Bon, OK. Bing, voilà, ça c'est fait. Donc là, il est quand même correctement, enfin plutôt correctement détouré. Je vais essayer cette ici, glisser un petit peu. Voilà. Et ici, j'ai 2-3 pixels qui, voilà, qui sont pas très très beaux. Mais voilà. Hop. Bah voilà. On y arrive. J'ai plus le retour. Et depuis un bout de temps. Excusez-moi. Ça baille. Quelle heure il est? Ok. Où on le fout? Où est-ce qu'on le fout? Hop. On va déplacer Belgardette ici. Et pour le moment, hop, on va le mettre ici. Et je vais réafficher, hop, le canal d'Alpha Centauri. Ok. Fichier. Enregistré. Ensuite, donc après sport, on a Portal, on a Postal 2. Alors, je tiens absolument, lors de ce live, c'est au moins réussir à poster tous les éléments. C'est-à-dire, il nous reste Postal 2, Prison Architect, Shield of Light, San Andreas et Bleach. Bleach, je vais mettre. Ah, le Vasto des Lordes, ça serait génial. Ichigo en Vasto des Lordes, ça serait génial. Je vais mettre ça. Je crois que je mettrais ça en Bleach. En tout cas, pour le moment, Postal 2. Alors, Postal 2, alors là, purée! Il y a énormément de choses qu'on peut mettre. On peut mettre également des éléments du film. On peut mettre des éléments de. Il y a. On peut mettre le logo de Running with Scissors. Il y a énormément de références. C'était quoi ce truc? Mon Dieu, ce jeu de taré. Ouais, on peut mettre les mecs un peu tarés. On peut mettre. Il est complètement barré ce jeu. Il est complètement ouf. Cherche pas, je sais ce que je vais mettre. Alors, je vais pas vous dire ce que je tape sur. Mais. Image. Bon, ok, donc pas sous ce terme là. Sous ce terme là, il connaît pas. Mais si je fais ça,
Non, il trouve pas. Bon. Alors, je vais retaper la recherche précédente. Et je suis sûr que Google va me trouver ça. Est-ce que je le retire de encore une de mes vidéos? Ça peut se faire. C'est quoi ce truc? Oh, mon Dieu, il y a des trucs qui sont choquants sur Internet. Mon Dieu. Ok, j'ai compris. Je trouvais pas sur DuckDuckGo Images, c'est parce qu'il y a le filtre parental par défaut sur DuckDuckGo. Parce que là, putain, je tombe sur des horreurs sur YouTube. Enfin, sur YouTube, sur Google. Google devrait mettre un contrôle parental sur son. Pourquoi je. Ok. Je suis en train de perdre mon âme là-dessus. Clairement. Alors, qu'est-ce que je peux. Oh oui! Ah ouais, je vais mettre Krusty et les comment les coucougnettes. C'est bon, j'ai trouvé. Oubliez tout, j'ai trouvé. Je pense qu'on va être content avec ça. Je prends ça. Rien à foutre. Je prends ça. C'est génial. C'est génial. Qu'est-ce que. What? Ah oh, merde. Voilà. Faut d'abord que je crée le nouveau calque. Voilà. Oh, c'est génial. Alors, sélectionner, excusez-moi. Voilà. Bon, j'ai pas eu de drop depuis tout à l'heure. Je vais mettre mon tableau de diffusion. Voilà. Alors, calque. Renier selon sélection. Voilà. Voilà. C'est la mascotte dans Postal. C'est trop. C'est un délire, mais pas possible ce truc. Oh, Postal. Ah, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu finir le jeu, clairement. Parce que. Le film, je sais pas si vous avez déjà vu le film Postal, mais. C'est juste génial. Je veux dire, les mecs. Mince, c'est pas ce que je voulais. Les mecs de Running with Scissors, c'est des. C'est des génies. C'est des génies. J'ai pas d'autres mots. Bon, ok, ça, je vais devoir le détourer par moi-même. Attendez, on va procéder. On va procéder autrement. Hop. Je détourerai au plus gros.
partir pour du détourage, hein, parce que de toute façon, c'est ça, hein, c'est ça. Comme ça, voilà. Bon, ici, je pense que je pourrais utiliser facilement la baguette. Ah, attendez, que je dise pas de bêtises. Hop. Postal. Mon Dieu. Quand je repense au film surtout. Le film est juste mythique. C'est le mot qui me vient. Mythique. Bon. C'est vrai que alors, si vous connaissez pas le délire de je sais plus comment il s'appelle, si c'est Crusty ou un truc comme ça. Mais en gros, c'est une paire. Enfin, c'est la mascotte des coucougnettes, vraiment. C'est comme ça que ça s'appelle, les peluches coucougnettes. C'est le délire de Postal. Les enfants adorent un personnage qui s'appelle Krusty et qui est. Voilà, il y a une tonne de peluches qui s'appellent les coucougnettes et les enfants adorent. Enfin, c'est juste ouf. Et dans le film, enfin, je ne veux pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le film, mais. Il y a un truc avec les enfants, c'est vraiment limite. C'est pas sexuel, hein. C'est pas sexuel, mais il y a un moment. Quand ils sont dans ce qu'ils appellent la mini-Allemagne. À la fin en fait, de la scène de la mini-Allemagne, voilà, c'est. Oh, tu te dis, c'est pas possible, ça va trop loin, quoi. Mais bon. On est loin de My Little Pony ou c'est. Mince! My Little Pony ou ces trucs-là. Clairement. C'est un autre délire. Qu'est-ce que. What? Non, 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 non. Attends, 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 attends. Pourquoi tu me fais ça? Ok. Ok, là va falloir, je pense que je. Hop, j'ai tout là, mais il va falloir que j'y aille à la gomme là. Falloir que j'y aille à la gomme. À la gomme. Ah! La gomme agressif 10. Bon, je peux en faire une partie en 10 pixels, mais il va falloir que. Oh non, c'est bon, ça rentre. Ça rentre. Voilà. On va détourer juste ici. On va. Hop, voilà. Bon.
en est où là? 15h30, 15h40 même. Excusez-moi, je m'étire un peu. Et puis, est-ce que j'ai encore à boire ici, moi? Ouais, j'ai. Attendez, excusez-moi, juste une seconde. Voilà. Vous aussi, pensez à bien vous hydrater. Voilà. Donc, petit rappel, hein, je vous rappelle que le comment que cette ce live-là, vous le retrouverez en rediffusion HD sur ma chaîne YouTube, évidemment. Et comment? Parce que voilà, la rediff de toute façon va être plus vue que le live en lui-même, évidemment. Non, c'est pas ce que je voulais. Bon, voilà. Mais il y aura également un timelapse, c'est ça que je voulais dire, un timelapse de cette fabrication de bannières. Attendez. Ah! J'ai oublié d'appuyer sur majuscule avant de cliquer, c'est pour ça que ça a merdé. Ouais, je sais pas pourquoi ça merde quand on fait ça. Heureusement qu'on peut faire des CTRL Z sur les sélections. Ça, c'est juste. C'est une idée de génie qu'ils ont eu, les mecs qui ont développé GIMP. Je sais pas si ça existe dans Photoshop, ça. En même temps, j'ai jamais réellement utilisé Photoshop, moi, alors. Je saurais pas vous dire. Court. Plus comme ça peut-être. Ouais, comme ça. Voilà. Hop, voilà. C'est détouré. En partie, pour le moment. Pareil, un truc qui va pas, moi, c'est que j'ai pas une chaise géniale. Bon, ça, on va le détourer à la baguette magique. Ça va pas prendre longtemps. Hop. Voilà. Alors là, c'est nickel. Hop, le gant est détouré. Et là, ah. Alors là, je le fasse. Au cercle. Voilà. Ouais, j'étais un peu trop loin. Voilà. Et puis là, je vais adoucir à la gomme. Ouais, j'ai pris la gomme agressive, mais bon, ça fait rien, ça le fait. Voilà. On va gommer un petit peu ici. Je vais prendre la gomme douce et la gomme ici. Voilà. Ici, il faut que ça se gomme aussi.
Attendez, je regarde un truc. Alors, YouTube, ma chaîne. Te plaît. Hop. Modifier l'illustration de la chaîne. C'est combien la taille limite pour l'illustration de la chaîne? C'est 4 mégas et j'en suis à 3 mégas. Oula, attendez, attendez. Alors, j'en suis à 13 mégas pour le projet et la dernière exportation que j'ai faite, c'était. Attendez, ça, c'est 4, ouais, 4 mégas maximum. Ah. Est-ce que si je sature encore plus, attendez, je fais enregistrer, hop, fichier, export. Exporter, remplacer, exporter. Attendez, j'exporte mon image là telle quelle avec tous les éléments, tout ça, pour voir un petit peu ce qu'il me dit au niveau de taille. Niveau taille de l'image. Ouais, alors évidemment. Hop. Et je dépasse les 4 mégas. Et merde. Bon. Ça fait rien. Je réduirai la qualité avant l'upload. Je trouverai bien une solution. Mais. Parce que sur YouTube, comment? Il est marqué taille recommandée pour l'illustration 2560 par 1440. Taille maximale du fichier 4 mégaoctets. Et là, je suis à 4 mégas et des poussières. Donc plus je rajoute des éléments, plus ça va être. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Je trouverai bien une solution. Bon, Prison Architect, c'est pas compliqué, hein. Je vais mettre un prisonnier, un ESEC. Prison Architect. Image. Hop. Ah, remarque, il y a d'autres choses. Ah oui, je pourrais mettre aussi le. Le directeur, le fameux directeur. Ouais, je vais faire ça. Ou alors, attendez, je viens de voir un truc. Bref, non. Non. Non, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Allez. Mais les mecs, mais plus pourri la qualité, les mecs. Allez-y, les mecs, plus pourri. Oh, je vous jure. Attendez, c'est pas compliqué. Ça va être très très facile à faire. Je vais lancer le jeu. Ça pleut. Ah, ouais, j'espère que ça va pas me poser de problème avec le. Là, attendez, je vais fermer ça parce que ça me bouffe énormément de RAM. Est-ce que j'ai toujours mon épine de lancer? Ouais. Non.
Non, je pensais que si on lisait la lettre du PDG. Non, mais par contre, si je fais clic droit, campagne, condamné à mort, jouer. Bon, juste le temps de lancer la cinématique. Ah non, c'est bon, je peux la passer. Ok, appel entendu PDG. Voilà, nickel. Alors, je vais juste. Attendre qu'il soit bel et bien descendu à un endroit où il pourrait être détouré facilement. Parce que là, ça va être chiant. Bon, ça va être chiant, mais voilà. Bon, hop, impression système. On s'en fout. Fermé. Hop. Va falloir que je renomme également les nouveaux calques. Nyeh. Oh, c'est con. Oh, ça fait n'importe quoi, ces chiens. Allez, hop. Relever. Voilà. Donc, évidemment, j'ai la galerie d'images à gauche. Je sais pas ce que je veux. Ce que je veux, voilà, c'est le directeur. Alors, hop. Vers un nouveau calque. Voilà, donc on va. Je sais pas pourquoi j'ai une image de World of Warcraft quand j'ai tapé Prison Architect. Bizarre. Bizarre, bizarre. Donc sélection. Hop. Calque. Prenez celui en sélection. Voilà. Voilà. On va pouvoir. Alors. On va déplacer Krusty, on va le mettre là. Voilà. Et on va mettre ici. Je vais bosser ici. Vas-y, mets un coup. Hop. Ouais, peut-être plus que ça quand même. Voilà. Et on va détourer le PDG de Prison Architect. Qui va pas. Pourquoi t'... Pourquoi je peux pas le supprimer? Pourquoi je peux pas supprimer ça? Ah. Ok. J'ai compris. C'est parce qu'il est repassé en outil bizarre. Voilà, là ça marche. Là ça marche. Hop, ici, il manque un peu au bout de la manche. Et ici, voilà. Et là, je fais calque. Prenez selon la sélection. Voilà. Normalement, ça devrait pas trop être difficile à détruire. Non, là c'est trop. Hop. Ok. Ce qui se présente au dehors de cette zone. Bon, ça va pour le moment. Ok, c'est bon.
Ici, il y a une zone. Voilà. Ici, il y a encore une zone qui n'est pas sélectionnée. C'est un faux mode douche, ok. Bon, déjà ça, hop, voilà, ça me permet de voir qu'est-ce qui n'a pas été désélectionné. Il me faut une com plus grosse. Ouais, là on est bien. CTRL MAJ A, hop. Bon, et il me reste plus que le coin là-bas à détourer. Petit coup de gomme. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Alors, on va prendre une gomme un peu plus agressive. Beaucoup plus agressive. Hop. Voilà. On va virer tout ça. Je me suis arrêté pile poil à la limite. Là, avec ma gomme, j'ai ripé en fait sur le tactile. Parce que oui, hein, même ça, je le rappelle, je le fais au tactile d'ordinateur. Hein, je le fais pas à la souris. La souris, c'est pour les faibles! Voilà. Bon, bah ça a été rapide à faire. Ouais, attendez, quand même, faut pas déconner là. Parce que là. Moi, c'est dégueulasse! C'est clairement dégueulasse! Là. Hop! C'est quoi tous ces pixels là? Hop! Dégagez, vilain pixel! Non, c'est pas ce que je voulais. Alors je vais hop, voilà, décliquer pour au cas où je refais une boulette. Ok, donc là on est bien. Hop, ici je vois près de la tête tout ça. Hop. Ok, là il y a un pixel qui se balade aussi. On est bien, on est bien, on est bien. Ok. Hop. Prison Architect, c'est fait. Je vais le coller. Hop. Hop. Voilà. Je veux bosser dans ce coin-là en fait. Pour être tranquille. Après, je repositionnerai tout le monde. Là, déjà, ça me fait beaucoup de monde à placer. Et il me reste, si je ne dis pas de bêtises, que deux. Non, trois. Ouais, trois éléments à placer. Shield of Light, San Andreas et Bleach. On va y arriver. Après, il faudra que je repositionne le tout, enfin chaque calque, de façon à composer quelque chose de correct. Et on aura ma bannière de chaîne. Voilà, on aura ma bannière de chaîne. Et ça, c'est cool. En espérant que ça rentre bien, parce que ça me semble bizarre la dimension comparée à ce que propose YouTube. C'est bizarre.